Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 19 au 25. Oui, 19 au 25 avril 2021. Alors, je pense ne pas pouvoir continuer à faire les vidéos tous les jours. C'est par rapport à ma santé en fait. Tout simplement. Je n'ai plus la force. Maintenant, on va voir. Je vais essayer de faire autre chose. Mais chaque jour, je ne pense pas que je pourrai continuer. C'est épuisant et j'ai été pas bien. Maintenant, on va voir. Je peux pas. Je ne me suis pas tiré les cartes. Je ne me tire jamais les cartes pour moi. Je ne fais pas tirer les cartes pour moi par personne. Donc, on verra bien. Ce que ça va donner. Mais je vous préviens, donc ne vous étonnez pas, si un jour je ne suis pas là, ben c'est juste que j'ai besoin de repos et que je ne suis pas capable de faire de vidéos parce que je suis trop fatiguée ou que je ne me sens pas bien, voilà. Tout simplement, mais il ne faut pas se fracasser, c'est pas bien grave. Hein. C'est juste, j'espère, une mauvaise passe. Voilà, bon, allez, on y va avec nos deux petits ronds. On va voir les énergies donc de cette semaine, les énergies qui vont nous parler, et probablement. Oh, il y a trois cartes qui se sont retournées, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, hein? On les prend, on les prend. Alors, je relaxe mon mental. Je coupe les liens qui me font souffrir. Les liens qui vous font souffrir, ça peut être aussi avec des personnes, mais ça peut être aussi avec des choses. Et je bouge mon corps. Voilà. Donc, je relaxe mon mental. Je coupe les liens qui me font souffrir. Je bouge mon corps. Cette semaine sera une semaine de prise de conscience, de prise de prise de décision concernant son bien-être. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Vous voyez que les cartes, elles sortent quand même. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais ça va pas aller. Ça va pas aller. On va les laisser comme ça. Bon. Alors, le rond de cristal. On prend une carte. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, une nouvelle rencontre va se faire, les amis. Rencontre amoureuse, rencontre par rapport. Pourquoi est-ce que je dis? Je pense à de la pub. Rencontre publicitaire, j'ai entendu ça. Bon. Rencontre publicitaire, je ne sais pas. En fait, une nouvelle rencontre va se faire ou ça va vous faire de la pub. Vous allez rencontrer une personne qui va parler de vous, qui va vous conseiller peut-être. En tout cas, c'est très positif parce que j'allais dire les conseillers sont pas les payeurs, ce qui est vrai. Mais cette carte, cette personne, ça sera quelque chose de très positif. La rencontre. Donc aujourd'hui, on va prendre les 13 cartes. Alors, je vais quand même tirer une. Les portes de l'intuition. Une petite carte des portes de l'intuition. Et j'hésite hein, avec tous mes jeux. J'ai du mal avec les nouveaux jeux pour le moment. Enfin, pour le tirage de la semaine. Enfin, je voulais utiliser celui de Nat, figurez-vous, mais il est resté en bas. Et en bas, c'est deux étages plus bas et je ne saurais pas aller chercher maintenant, donc je l'utiliserai dès que je pourrai pour la prochaine vidéo. Alors, la carte qui est sortie ici, elle va nous parler. De la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes.
aimez-vous? Parce que de toute façon, pour avancer, si vous ne vous aimez pas, vous n'avancerez pas. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir avancer dans la vie. Oh, pardon, 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 Oscar. Voilà. Hop. Voilà. Toi, je ne t'utiliserai pas aujourd'hui. En tout cas, voilà. Je vais utiliser le grand Lenormand pour les 13 cartes. Donc, les énergies. De cette semaine. Pff, elles sont à l'endroit et à l'envers, ça m'embête. Alors ici, j'ai une personne qui revient vers vous. Une personne qui revient vers vous, c'est comme si quelqu'un revenait d'un voyage. Mais bon, ici, avec la situation Covid, ben, ça va vous parler. Ça doit vous parler. J'ai ici un succès grâce, un succès suite à un voyage. C'est peut-être la même chose ou pas. Faites attention pour d'autres personnes. Lors d'un voyage, soyez quand même vigilant parce que vous pourriez, il pourrait y avoir quelques petits désagréments, entre autres. Ok, alors ici, ici, ça nous parle vraiment de rester sans voix par rapport à une personne. Normalement, c'est plutôt un homme qui reste sans voix par rapport à une femme. Donc l'homme va voir ou va rencontrer quelqu'un. Donc monsieur, vous allez certainement rencontrer une personne. Mais comme ça, tirage général, rencontrer un homme ou une femme, vous serez en pamoison. Mais comme c'est un tirage général, vous prenez, ça peut être deux hommes, deux femmes, bien sûr. Il y a beaucoup de jalousie pour certains aussi par rapport à votre à votre manière de vivre. On a la fin des chagrins aussi. On a la fin. J'ai ici, alors, un monsieur, en tous les cas, vous le mettez pour vous, mais ici, j'ai un monsieur qui va rencontrer une personne, un monsieur qui va être... subjugué par rapport à une femme, surtout par rapport à ses atouts de cette femme. J'ai pour une dame, j'ai un homme qui va donner de ses nouvelles et ce seront de bonnes nouvelles. Ce seront de bonnes nouvelles qui vont être donc données à une dame, à une jeune dame, à mon avis. On nous dit, ça nous parle qu'il faudra plaire aussi à la famille de la personne que vous convoitez. Donc, il faudra plaire à la famille, sinon il y a un risque de mal-être. À vous de savoir, voilà. C'est la fin des chagrins. J'ai encore une fois un déplacement j'allais dire amoureux, mais peut-être pas encore, un déplacement où on a vraiment envie d'aller voir quelqu'un parce que on a des sentiments ou voilà, mais il va y avoir des déplacements qui vont se faire. Très agréable. Que vous voudriez faire en tous les cas.
Bon, je vais bouger ça, c'est un petit peu. J'ai pas eu le temps de ranger. Je voulais vous dire aussi si vous avez des mails, si vous m'avez envoyé des mails et que je n'y ai pas répondu, ben, c'est parce que je ne les ai pas reçus. Ou alors ils sont dans la corbeille, dans la boîte à... dans la boîte, comment est-ce qu'on dit? Dans les indésirables, donc peut-être renvoyez-moi. Si après une semaine, vous n'avez pas de réponse. Renvoyez-moi quand même le mail, d'accord? Pour être sûr que je l'ai bien reçu. Je n'ai plus de place. Ça, c'est ce que je me sers. Consultation principalement. Et vous deux, vous allez là, je ne sais pas encore. Voilà. Hop. Ne tombez pas, s'il vous plaît. Ne glissez pas, s'il vous plaît. Je pense que ça va glisser. Bon. Allez, on y va, les amis. Je ne me brusque pas parce que je n'ai pas envie de me brusquer. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête pour me dépêcher. Parce que il y en a qui me. Voilà. J'ai pas envie. J'ai envie d'être bien, j'ai envie de mettre mes énergies dans mon travail et que mon travail soit bien fait, tout simplement. On y va. Ah, nous avons ici le consultant, monsieur. Alors, évidemment, c'est monsieur, c'est votre monsieur ou c'est vous monsieur. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est vous. C'est vous. Les énergies de cette journée. Alors ici, il y a une question de mariage. D'accord? On parle mariage. Il faut mettre au goût du jour, c'est normal, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Donc voilà. Mais ici, ça nous parle d'un mariage heureux. Ça nous parle de lune de miel. On pourrait parler comme ça. On pourrait parler de lune de miel. On dit que le mariage se réalisera. Donc, il y a un mariage qui va vraiment se réaliser de toute façon. Si vous en doutez, ce sera un mariage heureux. Oui, ce sera un mariage heureux, un mariage. Ce sera un mariage où on sera. C'est comme si on sera. Toujours en lune de miel. Vraiment, on va vraiment essayer de rendre l'autre heureux, heureuse, et c'est vraiment presque un mariage parfait. Je pense que le mariage parfait n'existe pas. Je pense, j'en sais rien, mais ce sera un mariage presque parfait. Ça peut être, si c'est par rapport à un travail, ça peut être un boulot, ça peut être, voilà, d'accord, une amitié, voilà. Ici, nous avons du coup le 10 de pique. Ici, ça me parlera de perte de vol. On va vous demander de vous méfier de certaines personnes, oui, de certaines personnes, en tout cas de vous méfier de votre entourage ou de certaines personnes ou d'une personne en tous les cas. Mais je pense que vous allez comprendre, vous allez voir de qui il devrait s'agir.
C'est une carte qui me parle vraiment de tromperie, de vol. Attention, de tromperie, pas de tromperie, on trompe sa femme, on trompe son mari. Mais vraiment de vol, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir, d'être mal entouré, de voleurs, donc soyez vigilants. Ici, on nous demande on vous demande, on nous demande d'être vigilants. Faites attention parce que je pense que vous êtes, pour certains, en tous les cas, je suis sûre, pour certains, vous êtes observés. On vous observe. C'est comme si on observait vos horaires, quelque chose comme ça. Alors, j'ai ici la joie, la réussite, ce que vous désirez va réussir, ce que vous, oui, vous allez réussir ce que vous voulez depuis longtemps. Vous allez réussir, vous allez vraiment pouvoir mettre en place certaines choses. Mais je pense qu'il va falloir faire un deuil avant. Il va falloir faire un deuil. Un deuil symbolique ou un deuil réel. Mais il va falloir tourner une page. Je vois aussi qu'une personne nuisible va s'éloigner. Une personne nuisible va s'éloigner. On a pris ici dans ses griffes quelqu'un, cette personne qui va s'éloigner. Ça peut être une femme, ça peut être une patronne, voilà, un chef d'équipe, machin. Cette personne qui va s'éloigner, elle aura blessé quelqu'un dans le sens où elle aura été plus forte que quelqu'un, que peut-être vous, hein, ou qu'un collègue ou qu'une collègue. Et c'est parfait parce qu'on va retrouver une sérénité, on va retrouver la protection, l'abondance, la joie. La fin des soucis. Donc, je pense que vous pourriez récupérer aussi ce que vous avez perdu, récupérer aussi votre libre arbitre, récupérer votre libre arbitre. Alors, j'ai effectivement un deuil à faire, mais ce n'est pas en tout cas, cette carte-là ne me parle pas d'une carte de tristesse. C'est un deuil à faire, c'est plus oui, c'est peut-être alors le deuil qui est à faire, c'est justement par rapport à petit héritage que vous pourriez recevoir par rapport à un testament. Je ne sais pas, j'ai ici vous, monsieur, votre mari, vous comptez faire un testament ou il y a quelque chose avec un testament. En tout cas, j'ai un héritage, petit héritage, et j'ai vous, monsieur ou madame, ou. C'est marrant parce que je vois ici la petite amphore, on va dire, c'est pas une amphore, mais enfin, le petit vase là, et ça me fait penser à une urne funéraire. Et on parle justement d'héritage. Donc on a le stylo, la plume plutôt pour écrire. Donc,
c'est la fin aussi d'une rivalité. Si vous avez une rivale ou un rival, ça va être la fin. Donc cette personne va disparaître. Et ici, on retrouve la sérénité, la joie, l'abondance. Voilà. Je suis désolée, je ne saurais pas du tout aller plus vite. C'est impossible, d'accord? Si vous avez l'intention de que ça aille plus vite, en tout cas, puisque je fais pour la semaine en plus, ces cartes sont quand même très très parlantes et je ne peux pas aller plus vite. Je ne saurais pas, je ne suis pas en état. Mais je suis en état de bien le faire, mais pas vite. Voilà, donc vous le savez. Alors, nous avons ici l'as de cœur. On a la famille. J'ai ici un voyage qui pourrait être un voyage familial. On vous demande. De pouvoir. C'est votre famille. Alors, vous êtes peut-être, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup de famille, donc ça ne rime à rien. Mais si, ce sera les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Vous allez me dire, je suis toute seule quand même. Mais alors, ce serait la famille quand même. Qui serait peut-être parti, qui serait ailleurs, ou qui vivrait ailleurs, avec qui vous n'avez plus d'attache, mais il y a quelque chose que vous allez recevoir de cette famille, d'une personne de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un voyage familial. On voit une réunion de famille. Une réunion de famille. Protection. On va prier pour la protection de sa famille. Compromis. Peut-être ça me parle de compromis. J'ai la carte des mauvaises fréquentations ici, donc faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention à qui vous fréquentez. Il y a un compromis qui va être fait aussi. Ah. Nous avons le 6 de pique. Il y a des choses que l'on va voir un peu trop tard. Il sera trop tard lorsqu'on va voir ou savoir certaines choses. Donc, je vois ici aussi un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. C'est pas une belle carte celle-ci. Pas du tout. Sauf que nous avons un talisman. Qui est le talisman de Jupiter ici, qui peut être dessiné sur sa main ou peu importe, pour nous porter bonheur. Mais donc il y a quelque chose pour conjurer le sort. Mais sinon, ça nous parle quand même. Ça nous parle d'une personne malade. Ici, principalement une dame. Donc, on pense que c'est son cheval. Ne me demandez pas pourquoi. C'est parce que je suis dans la carte. Donc, on ne va pas penser que c'est son cheval. On pense que c'est à cause de quelque chose qu'elle est malade. Mais ce ne sera pas à cause de quelque chose, ce sera à cause de quelqu'un. Parce qu'ici, j'ai une personne qui pourrait. Alors, je vais aller loin. C'est une personne qui pourrait essayer d'empoisonner. C'est vrai que c'est un cadeau empoisonné, mais c'est vrai que ça peut être l'empoisonnement. Alors, l'empoisonnement exprès, peut-être, ça se peut, ou pas exprès.
j'entends une personne qui crie. Et on me dit, mais non, de toute façon, cette personne, elle crie tout le temps. Elle crie tout le temps, c'est normal. Soit elle est peut-être un peu handicapée, mais c'est pas vraiment un danger, je ne pense pas. Mais en tout cas, ou alors, on va passer à côté d'un danger parce que c'est quelque chose d'habituel. Mais là, ce sera quand même un peu tard. Donc, ici, je pense que on nous demande d'être vigilants. On a beaucoup des as quand même. On en a deux. L'as de carreau. Donc ici, ça va nous parler de nouvelles, de lettres, de courriers, de nouvelles écrites, en principe. Ça va nous parler de discrétion dans un voyage, dans une rencontre. Il faut faire attention à ne pas laisser entendre ou laisser supposer certaines choses. Faites attention aux indiscrétions. Des nouvelles, il y en aura, si vous vous posez la question. Oui, il va y en avoir cette semaine. Positive ou négative? Je ne sais pas. En tout cas, ce sera il y aura des nouvelles, positives ou négatives. On va voir après si j'ai la carte là. Ah, c'est positif dans le sens où il y a une rivale qui va disparaître. Et là, je vais voir. Alors, ici nous avons la dame de pique avec ici un voyage éprouvant obligatoire. Donc, si on peut remonter dans un avion. J'allais dire, ça ne s'oublie pas de conduire un avion. Piloter un avion, c'est comme une voiture. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Nous savons ici la joie, le contentement. On a ici une grande joie d'ailleurs. J'ai une grande joie, par contre, j'ai peut-être la perte d'un ami, mais la perte peut-être d'un ami, mais aussi qui faisait partie de la famille. Fin de l'injustice. Donc, on perd un ami. Mais si vous êtes en épreuve sentimentale, elles seront surmontées. J'ai ici quelqu'un qui a besoin d'être consolé. C'est la fin de la justice. Là, nous avons le 2. De carreau qui va nous parler faites attention à comment vous vous conduisez parce que ça pourrait être mal interprété ou c'est tout simplement une conduite qui pourrait évidemment prêter à confusion, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Ça nous parle d'un accouchement. Ça nous parle de fécondité cette semaine. Donc,
Il y a un heureux avenir ici. Hein. J'ai une grossesse. J'ai une grossesse. J'ai une réflexion nécessaire concernant cette grossesse, concernant un mariage. On va discuter ici. Ça va vous faire chier. Je vous le dis tout bas comme si on était nous deux. Ça va vous embêter. Je sais plus du tout ce que je viens de dire. Là, je suis vraiment dans mon truc. Hein. Il y a vraiment une grosse réflexion à avoir parce que la réflexion est nécessaire. Parce qu'il va s'agir de quelque chose de très sérieux. Mariage, bon, mais grossesse, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, il va falloir en parler. Mais je ne comprends pas parce que pour certaines personnes, vous devez divorcer et l'autre, il est déjà avec quelqu'un. Alors pourquoi est-ce que vous devez en parler? Ce n'est juste que régulariser une situation. Pourquoi est-ce que vous devriez en parler? Ah. Ici, on nous prédit une carrière longue et heureuse. Oui, ça me parle beaucoup de mariage, une proposition de mariage, un mariage qui réussit, un mariage qui est original. J'ai une demande en mariage, j'ai peut-être quand même une personne qui est peut-être un peu trop, peut-être pas harcelée, mais trop sollicitée par rapport donc à un mariage. Ne vous confiez pas à tout le monde non plus parce que il y a quelqu'un qui va ou quelqu'un va vous confier quelque chose, mais faites attention parce que si on vous dit quelque chose, ça va être très très négatif pour vous, donc faites attention. Je confirme donc ici vraiment mariage. Alors ça pourrait éventuellement parler de contrat, etc. Mais bon, ça ressort fort le mariage. Donc là, on a une truc. Le 7 de pique. On est toujours avec nos phénomènes, l'alchimie, nos alchimistes ici. Donc ici, on a le voyage affectif, on a la lune de miel, on a le déplacement affectif et là, on a la plénitude dans le voyage. Ici, on a une grande joie. Ok, je sais plus. Ouais. J'ai perdu l'info. Désolée. On commence les démarches pour l'exécution d'un mariage ici. On commence les démarches. Il y a une personne ici, très simple. C'est une personne qui est faite pour vous. C'est une personne très simple. C'est pas pour ça qu'elle n'a rien, cette personne. C'est pas pour ça qu'elle est fauchée. C'est pas pour ça. Non, non. C'est juste qu'elle est un petit peu, à mon avis,
Elle sort de sa zone de confort. À partir du moment où cette personne sort de sa zone de confort, elle est mal. Et bon, elle va devoir aller à la poste. Ouais. Elle va devoir. Vous savez, je suis complètement dans mon délire là. Ça veut dire que ce que je dis, je ne m'en souviens plus. En fait, je ne suis pas dans un délire, hein, je suis dans une autre dimension, j'ai des trucs qui viennent comme ça. Mais c'est épuisant. Déjà que je suis épuisée, mais alors ça, c'est épuisant. C'est pour ça que je ne peux plus faire les vidéos tous les jours, c'est pas possible. Alors, mais je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. On a une grande joie. On a un grand contentement. On a une grande satisfaction. Donc on fait des démarches pour un mariage. Pardon. Alors, ici j'ai le 3 de cœur, on a la chance, on a une grande réussite, on a un voyage, on atteint une certaine notoriété, on a un voyage important, un voyage d'affaires important. J'ai disparu complètement. J'ai des papiers avec des propositions, vous allez faire des propositions, on va vous donner des propositions, on va vous présenter des propositions. J'ai ici une personne qui réussit tout. J'ai comme une personne qui est comme un génie ici. Il y a une occasion qui va se présenter pour certains. Je suis plus dans l'amour normalement, quoique, mais bon. Il y a une occasion qui va vous donner renommée et succès. Il faut. J'ai une renommée, j'ai un succès. Alors, j'entends de la tristesse, ça n'a rien à voir avec les cartes. J'entends de la tristesse, un jeune homme triste, ça n'a rien à voir avec les cartes. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas envie d'approfondir parce que déjà, comme ça. Alors, on a ici quelqu'un qui pose un brevet. Ça me parle d'un brevet. Ça me parle d'une invention. Oui. De travail intellectuel. En tout cas. La carte du 3 de cœur, c'est la carte de la chance, de la grande réussite et éventuellement d'un homme de génie. À savoir que tous les hommes de génie ne sont point des génies. Des génies. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je dis? En fait, c'est pas moi qui parle, je vous assure, ce n'est pas moi qui parle. On parle à ma place. On me fait parler, mais on me fait dire des trucs qui ne sont point des génies. Je parle pas comme ça. Enfin. Pouh, toutouille. Ah. J'ai une grossesse, effectivement. Il y a des tests. Il y a un accouchement. Oui. Une grossesse qui va réussir ici. Oui. Une grossesse qui va réussir, qui va. Vous allez peut-être prier Eugérie, qui est la
déesse de la grossesse. J'ai un voyage, alors j'ai la maladie et le voyage, qui peut être, on est malade parce que l'on voyage, on est malade parce on doit voyager, on voyage à cause d'une maladie. On regrette un voyage, on regrette d'avoir fait, de ne pas l'avoir fait. Le 2 de carreau, c'est quand même une conduite équivoque. Et enfin, nous avons le roi de cœur. Alors là, on nous parle de prudence, de méditation. On nous demande de suivre les conseils d'un homme. D'un homme ou d'une femme, le roi et les reines, c'est homme ou femme, mais d'une personne sage, une personne qui a de l'expérience. Ça nous parle de spiritualité ici aussi. J'ai une grande délivrance, enfin, j'ai une délivrance d'un grand chagrin. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment. Vraiment vous enlever de vos épaules. J'ai un bonheur inattendu, à condition de bien se conduire. Alors, je vais juste regarder avec les petits sujets. Je sais pas, j'ai ici un homme qui va mettre enceinte une fille, mais je pense que c'est quelqu'un qui va pas du tout assumer sa paternité. C'est juste quelqu'un qui aime la compagnie des dames et qui s'en fiche complètement si elle tombe enceinte ou pas. Ici, nous avons je dois vous dire que ce n'est pas votre faute. Ici, cette carte, c'est quand même la carte, une carte un peu triste. Le cadeau empoisonné. Vous risquez de vous en vouloir, mais vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas votre faute du tout. Ce n'est pas votre faute. Alors, je sais pas, j'ai ici des gens qui doivent aller chercher des bêtes. Vous voulez aller acheter des bêtes, mais des bêtes comme du bétail. Et vous avez l'occasion de reprendre du bétail de voisins, peu importe, mais seulement le bétail n'est pas habitué à vous et vous n'êtes pas habitué à ce bétail. Donc vous voulez absolument aller chercher du nouveau bétail. Ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais vous faites bien parce que le nouveau bétail vous conviendra. Ça peut être par rapport à n'importe quoi d'autre, hein.
Donc, ne prenez pas quelque chose qui a appartenu à quelqu'un et en essayant de vous le faire, en essayant de vous l'approprier, mais prenez quelque chose de nouveau qui n'a pas servi ou presque pas servi. Et bon, c'est lourd, c'est lourd. Donc je dévole, hein. Je dévole, je regarde quelque chose. Hein. Voilà, but de confiance. Ah oui, oh. Alors ici, j'ai un vol, un abus de confiance qui va aller au tribunal s'il n'y est pas déjà. Ça, je peux pas vous dire si ça va aller ou pas parce que c'est d'intérêt général. Ça nous parle, cette carte du roi de cœur, de la vie spirituelle et de la vie paisible. On veut vivre paisiblement. On nous parle de bonne conduite, on nous parle de vie, de bonheur inattendu. Je ne sais pas pourquoi je vois un garde du corps. Un garde du corps. Encore une proposition de mariage. Une personne qui nuisible qui s'en va. Donc, je pense qu'il y a l'imposteur, la personne qui veut vous voler ou qui veut vous manipuler, va s'éloigner. On va pouvoir vraiment. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider. Il y a. Oui, il y a quelqu'un où vous allez voir clair, mais où vous allez recevoir un courrier qui va vous faire comprendre que cette personne est absolument nuisible. Et négatif pour vous. Ça c'est sûr. Je pars vraiment en cacahuète. Je sais même pas si je vais publier la vidéo du coup, mais enfin, j'ai envie parce que c'est quand même beaucoup de temps que je prends, beaucoup d'énergie. Et... Alors. Une personne qui doit être consolée, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Une épreuve sentimentale qui va être résolue, surmontée. Oui, j'ai de nouveau la perte d'un ami. Je confirme la perte d'un ami. J'ai ici l'église, le bâtiment. Il y a une paix qui va revenir. Donc ici, mis à part le fait que de vol, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir, on va essayer de prendre votre pouvoir, mais en prenant votre argent, par exemple. Ou on va aller faire vos courses, on va utiliser vos cartes. Après un moment, on saura que c'est vrai. Voilà. Donc. Ici, il n'y a pas. Enfin, voilà. Cette déesse ici, c'est la déesse des voleurs. C'est l'Averne, c'est la déesse des voleurs.
Voilà. Une rivale qui disparaît, un mariage, des mariages, des demandes en mariage, on va vous consoler, vous allez consoler un héritage, on prépare son héritage. Faut rester là. Il est très profond ce jeu, hein. Il est très très profond, très parlant. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée, étant donné que je suis fort, fort fatiguée, dirons-nous. Ce n'est peut-être pas une bonne idée d'avoir pris ce jeu aujourd'hui. Mais bon, il a quand même parlé, hein. Vous devez quand même vous y retrouver un petit peu. Alors, sentimental. J'avais dit que je prendrais quoi? Ah! Oh, pitié! Pitié, pitié, toi, pas tomber, toi, pas tomber, toi, pas tomber. Alors, sentimental, vous savez quoi? Je vais prendre le petit Lenormand ou je prends le tarot. Je vais prendre le tarot et je vais faire un tirage. Un tirage. C'est le début de la semaine, donc tant pis, c'est long, tant pis. Mais ce sera certainement la dernière fois que je ferai une vidéo aussi longue. C'est pas possible. En plus, je suis lente, je me rends compte. Tant pis, je ne saurais pas faire autrement. Donc, voilà. Et je ne me prends plus la tête pour faire des vidéos. Essayer de faire des vidéos plus courtes, ça ne sert à rien. Moi, j'y arrive pas. Mon travail est bâclé, sinon. Et je ne vais pas bâcler mon travail. Parce que c'est quand même fort fatigant de faire des vidéos, je peux vous l'assurer. Alors, faire des vidéos plus courtes, ça m'arrangerait. Mais si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je ne saurais pas faire autrement. Alors, les amis, par rapport à l'amour, célibataire, triangulaire, en couple. De deck. Nous avons le roi de bâton. Donc ici, ça va nous parler. C'est bien le roi de bâton. Ça va nous parler d'un papa. Ça pourrait nous parler d'un papa. Le roi, c'est toujours vous, monsieur ou madame. Un roi, c'est toujours vous. Ça nous parlera de vie de. Alors, on est dans l'amour. Ça va nous parler de prendre des. Ça nous parle de passion déjà. Ça va nous parler de rapidité aussi. Les bâtons, c'est toujours la rapidité. Mais ça pourrait aussi nous parler de. De création. Il y a quelque chose de nouveau qui va être créé ici. Dans l'amour, dans ce qui concerne l'amour. Donc il y a quelque chose de nouveau qu'on va bâtir ou qui va se construire concernant l'amour. Allez. Alors, ici.
Nous avons peur de ce que pourraient penser nos parents. Nous avons peur Alors là, j'ai le couple, j'ai le père et j'ai la mère. Donc, est-ce qu'il y a, pour certaines personnes, dans vos amours, est-ce qu'il y a vos parents qui s'occupent un peu trop de vos affaires de cœur? C'est très possible. Mais c'est la gentillesse. Donc, les gens, ils le font pour vous aider. Ils ne veulent pas que vous soyez justement. Ils veulent vous protéger, en fait, en amour ici. Mais ils ont beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotions. Et ça vous bloque évidemment. Vos parents vous bloquent. Vous n'arrivez pas, vos parents, ou des gens qui se considèrent un peu comme vos parents, ça peut être les frères et les sœurs. Oui. Et donc, on vous empêche d'évoluer. Vous avez peur d'évoluer. Vous aimez vos parents, hein. Vous les respectez, ces personnes-là. Mais elles n'acceptent pas que vous évoluiez, et donc l'autre personne alors je sais pas, j'ai vu une protection des témoins, mais je ne sais pas, écoutez, je suis vraiment à fond dedans, voilà, à fond. Donc, ce qui vous bloque, c'est plutôt des gens qui vous donnent des conseils. On vous donne des conseils. Mais alors que vous êtes quand même une grande personne et que vous êtes à même de gérer vos histoires de cœur, pourquoi est-ce qu'on vous donne toujours des conseils? Cette carte, c'est la carte de la femme mûre, de la femme qui sait s'autofinancer, quoi, je veux dire. Donc, c'est cette femme, cette carte, elle nous envoie des énergies de savoir et de. Voilà. Il y a une personne qui bloque. C'est ou un couple, des parents, quelqu'un qui bloque la situation. Ah, ça pourrait être. Ça dépend, hein, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Voilà, c'est pareil. Ça bloque aussi. La situation n'est pas le. C'est peut-être pas le même blocage, mais ça bloque de la même manière. Pour les célibataires, pour tout le monde. Mon Dieu, il y a quelqu'un là, je l'ai lui montré. Vous ne la voyez pas, la personne. Ne me prenez pas pour une gaga, je ne suis pas gaga. J'ai pas fumé la moquette. J'ai fait quelque chose devant vous que je fais souvent. Mais d'habitude, je sais me retenir, mais là, bon, aujourd'hui, c'est particulièrement puissant, donc il fallait que je montre la carte à quelqu'un. Mon Dieu. Enfin, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, n'oubliez pas que c'est la carte des vœux réalisés, donc c'est la carte qui nous parle du fait qu'on a tout, que tous nos désirs sont accomplis, il ne nous manque plus. Ça, c'est le but, en fait. C'est le but ici. Vous voulez arriver à fonder une famille correcte. Voilà. Et la bonne personne,
mais vous avez trouvé la bonne personne pour fond. Ou alors vous allez la trouver. Il va y avoir vraiment la personne de vos rêves qui va pouvoir enfin vous suivre dans dans votre vie et qui va aussi pouvoir gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc le but ici, le but va être atteint. Vous allez avoir une famille. Vous allez avoir une famille heureuse. Vous avez un accomplissement. Si vous êtes célibataire, vous n'allez plus rester longtemps. Si vous êtes en triangulaire, vous allez pouvoir... Alors... J'allais dire peser le pour et le contre, mais ça n'a pas vraiment de sens. C'est quoi ça? Les opportunités. Alors. C'est la carte de la lune. Qu'est-ce que seront les opportunités? Les opportunités, ce seront la créativité, la sensibilité. Une grossesse, alors oui, ça va être une opportunité positive, bizarrement. Attention, il y a quelqu'un qui va venir chez vous faire... J'ai un monsieur ici, je vois un monsieur ici avec une casquette, un espèce de sac à dos. Il est en jean et en... Ensuite, il a une petite moustache. Il n'a pas... Enfin, voilà. C'est une personne qui pourrait venir chez vous. Faites attention, c'est une personne qui pourrait être un peu malhonnête. Aujourd'hui, ça va vraiment être une canalisation. Canalisation de chez canalisation. Hein. Je vais changer le titre parce que... Faut que vous soyez, qu'on s'en en soit conscient avant. Donc, où est-ce qu'on était? Les opportunités. On va mettre à la lumière des choses qui étaient cachées. On va mettre à la lumière des choses que l'on n'avait pas envie de dire. Attention que cette carte pourrait éventuellement nous parler de déception aussi. Donc, on vous demande... Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici un ressenti de personnes qui... C'est comme si vous perdez la vue. Alors pour certaines personnes, ce sont des migraines ophtalmiques. C'est pas grave. Mais en fait, ce sont des images que je reçois. Je reçois des images. Et quand je reçois ces images, c'est comme si je les vivais moi-même. Alors que c'est pas moi. Pour que je puisse ressentir ce que c'est. Et puis que je puisse essayer de le dire. Et moi, j'ai difficile de gérer tout ça très vite. Je sens que je vais quelque part. Il y a quelque chose qui m'envahit. Et j'ai difficile de faire la part des choses. Dorénavant,
Je fais de mon mieux, hein, mais parfois c'est puissant. Et plus je suis, je trouve que plus je suis fatiguée, c'est même pas fatiguée, c'est un état, enfin soit, j'ai beaucoup beaucoup de douleurs, donc je pense que plus on est impacté par la santé, plus on est sensible et plus on est impacté de ces énergies qui ne sont pas spécialement négatives. Hein. Spécialement négative. Donc. Où est-ce qu'on était ici? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? Oh. Alors, le danger, la solitude. Le négatif dans les cartes. Le danger, une relation malheureuse, des incertitudes. Une relation malheureuse, des incertitudes. Ne prenez pas pour acquis tout ce que l'on vous dit. Il faut que vous travailliez vous-même. Que vous preniez conscience de certaines choses pour vous assurer que c'est bon. La force. Oh, le diable. La force, la manipulation, les excès, la corruption, la violence. Tout ça. Alors, je viens d'entendre 36-8, 36-9, 36-8, 36-9. Je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était de la température, mais je ne sais pas. 36-8, 36-9, 36-8, 36-9. 36-8, 36-9. Oh, je vais vous faire une vidéo à propos de quelque chose. Ça vous plaira. Hein. Donc, la force, c'est le diable, les excès, l'abondance, la violence, mais pas du tout pour les gens que vous aimez, pas du tout pour les gens que vous aimez. Mon Dieu. Je vais quand même vraiment, je vais publier la vidéo parce que vous voyez que c'est partir en cacahuète. Je pars pas en cacahuète, je vais ailleurs, je me trouve ailleurs avec d'autres personnes. C'est pénible aujourd'hui. Bon. Alors, la force, la manipulation, donc la manipulation pourrait bien vous servir, la violence, les excès, l'abondance, le contrôle, le viol. Il faut que je m'arrête à quelques mots-clés comme ça. Sauf pour ceux qui ne connaissent pas, mais il n'y a pas besoin de connaître le jeu pour écouter le tirage. Bon, alors,
Oh, la fin, eh bien, écoutez, la fin, c'est la tour. C'est la maison Dieu. Enfin, voilà, la tour. Ghost Rider. Donc, qu'est-ce que c'est que la tour ici, en guise de conclusion? C'est positif ou c'est négatif? Ok. Parce que la tour, dans le côté positif, c'est... Ok, il est là. Donc la personne est sauvée. Il y a alors ici, vous cherchez une personne. Nous sommes ici dans la carte de la fin. Vous cherchez, vous recherchez une personne. Ça fait longtemps. Vous cherchez sur les réseaux sociaux, peu importe, partout. Et beaucoup, beaucoup de monde la connaissent, cette personne. Et personne ne sait où elle est. Alors, vous allez rester quand même. Alors ici, la force de cette carte, c'est justement que vous allez faire. Il y a juste quelque chose qui va faire du bruit, mais vous allez tout à fait l'accepter. Donc, la carte de la tour qui est en carte de la fin est pour moi une carte très très positive. Ça veut dire que c'est une carte qui va nous dire que les choses vont se passer, des choses vont se passer, mais la tour, en tout cas, dans les jeux que je choisis, en général, la tour, enfin, ce ne sont pas que des ruines. Ça existe toujours. Pourquoi je vous montre ça parce que vous ne verrez quand même pas que ça existe toujours. Mais ce n'est pas un endroit qui est fermé aujourd'hui. C'est un endroit qui est toujours en activité. Et peut-être que vous aviez beaucoup de rêves. Vous pensiez que ça n'allait pas aller. J'ai le serpent et le cercueil. Vous pensiez que ça n'allait pas aller parce que vous pensiez que c'était quand même trop, vos rêves étaient trop, trop. Eh bien, moi, je vais vous dire que si, vos rêves, ils vont se réaliser. Ils pourront se réaliser. Alors, ici, j'ai le serpent et le cercueil. Donc, je peux vous affirmer, enfin, je peux vous confirmer que il y a une page qui se tourne sur une personne mauvaise. Donc, cette personne mauvaise, c'est la dame de trèfle. Ah oui. Le serpent, qu'est-ce que je fais que je regarde, moi je le sais. Donc oui, c'est la dame de trèfle. Hein. Donc c'est la fin d'une tromperie, c'est la fin d'une aventure extra-conjugale.
C'est sûr, hein, on tourne une page. Donc, c'est le cercueil, on tourne une page. Non, je me suis trompée. Si vous avez le serpent en premier, vous tournez la page en fait sur le serpent. Donc si elle est là, c'est la personne qui allait vous prêter des sous. Ok, on brille. On a les étoiles. On a des échanges. Des échanges. Waouh. Des échanges par Internet, etc. Donc, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. On a ici un homme, pardon, on a ici une femme qui va vous aider dans tout ce qui est sentimental. On a nos, pardon, j'allais dire on a nos illuminations, mais c'est ça, voilà. La carte du soleil, elle est magnifique, vraiment. Donc, on a vraiment beaucoup de bonheur. Et qu'est-ce qui vient derrière nous? Les deux. Je ne saurais pas dire le nom. Vous voyez, ça, c'est des trucs. Là, je suis en train de dire des trucs. Je ne sais pas ce que je dis. Ça s'est adressé à une personne et je ne sais pas ce que je dis. C'est très puissant aujourd'hui. Poulah! Donc, on va mettre des choses à la lumière. Ah, il y a un monsieur qui est bloqué ici. Monsieur et le mont. Donc, effectivement, j'ai un monsieur qui est bloqué. Ah, vous devez vous marier peut-être et vous n'avez pas envie de prendre le risque de perdre cette amitié. Quand les autres avec vous. Des nouvelles qui arrivent. Une personne du passé qui revient. C'est une personne qui a fait partie de votre, qui était dans votre cœur, qui est en train de revenir. Il y a j'ai la clé et j'ai les poissons. Donc, il y a une solution. On va trouver une solution par rapport à une personne du passé. Il y a une solution qui va être trouvée. Effectivement, ça nous parle d'un peu d'argent. Pas beaucoup, un petit peu. Mais ça parle quand même d'argent. J'allais dire, je ne sais pas comment on va faire pour les dépendre. Ça n'a rien à voir. C'est un message qui doit passer à quelqu'un. Ah, c'est de l'argent qui rentre, une petite somme d'argent qui va rentrer, grâce à cette personne probablement qui vient du passé. Donc, si vous êtes célibataire, il y a une personne du passé qui va revenir. C'est peut-être une personne qui est indépendante, qui travaille à son compte.
C'est quelqu'un qui a du succès. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Alors, j'ai ici, j'ai le diable, là, j'ai la verge, le mont. Et le cœur. Bon, ok. J'ai une sexualité malsaine, mais bloquée. J'ai une sexualité très malsaine. Alors, mais là, elle est bloquée. Et on a cette carte qui est devant les autres. Donc, une situation qui est bloquée. La seule chose ici, par rapport à la manipulation au sexe, ça s'arrête à ça. Si vous voulez que ça aille plus loin, ça se peut, parce qu'il y a quand même l'amour ici. Mais il faut que vous fassiez en sorte de ne plus être manipulé. Mais oui. Donc l'amour peut, le fait de vous sentir dans une manipulation, dans une situation triangulaire, ou dans une, c'est comme si vous aimiez un sens unique, quoi. C'est vous qui aimez, vous ne recevez pas d'amour. Alors c'est très possible que ça change, d'accord? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour malgré tout. Donc, ayez confiance. D'ailleurs, je vous cache rien. J'ai rien appris. J'ai pas fumé, j'ai pas pris de médoc, rien du tout. Que ce que je prends d'habitude. Oh, ici, avec le 9 de coupe, où on peut faire un vœu, où on doit faire un vœu, j'ai le mariage. Donc ici, la personne qui a tout, qui a réalisé tout, elle a tout, sauf le partenaire, eh bien, elle va là le trouver. Et il y a un mariage qui est incessamment sous peu. C'est juste, là, c'est magnifique. La maison. Et le soleil. J'ai un très grand bonheur à la maison, une grande satisfaction. Il y a quelque chose qui vient vraiment illuminer très très fort l'idéal de toutes les personnes qui veulent un couple, qui veulent vivre une relation de couple magique. On a ici, on est vraiment bien placé pour le vivre. Alors, donc, un bonheur, un très grand bonheur, ici d'ailleurs, je vais mettre les cartes comme ça, un très grand bonheur, dans le domaine amour privé, mais. Ça va se voir parce que les gens vont les voir plus épanouis. Je ne sais pas pour qui c'est, mais on va voir vos enfants beaucoup plus épanouis, donc on va voir que c'est vrai. Je ne sais pas pour qui c'est, mais ça devait être dit.
Alors, le chemin. Une maison, il y a un chemin. J'ai. Faire prendre une carte. J'ai un grand bâtiment ici. Eh ben, si votre but c'est de vous mettre en ménage, c'est d'acheter une maison, c'est d'acheter plus grand, enfin voilà, ça va le faire. Ça va pouvoir se faire. Vraiment. Donc, je vois ici des gens qui vont aller louer une maison. Je vois les gens, hein, qui vont aller louer une maison. Avec la maman. Je crois que oui. Mais. Un petit enfant qu'on vient mettre sur le pas d'une. Un petit enfant qu'on vient de retrouver, qu'on vient sonner à la porte et vous allez ouvrir, ce sera un petit garçon ou une petite fille, je sais pas. En pyjama. Ok, la situation finale, ce que vous avez, ce que vous allez récolter par rapport à toutes ces épreuves, sera quelque chose qui va aller sur du long terme, sur du très long terme. Je vais prendre juste une dernière carte. J'ai la croix. Ah, j'ai la croix. J'ai le jardin. Et les étoiles. Ok. Pour moi, c'est un petit résumé ici. Pour moi, la croix, tristesse, malheur, pas que, mais c'est la fin des épreuves. J'ai de l'aide. Ah non. Oui, j'ai la fin des épreuves d'un côté. J'ai la fin des épreuves parce qu'on va connaître ou on va. J'ai l'internet en tout cas. J'ai l'internet. Ça doit parler à quelqu'un. Et j'ai aussi le jardin à côté. Donc j'ai le jardin, la croix et les étoiles. Donc le jardin. Avec la croix, va me parler d'une personne dans notre entourage proche. Donc, il y a l'internet ici qui sauve et il y a une connaissance. Si vous avez besoin d'aide, c'est peut-être des souffrances aussi physiques. Si j'ai la faux. Non, c'est la madame.
le livre. Il y a des secrets. Le bouquet. Il y a des secrets. Le monsieur. Le lys. J'aurais juste voir où est la faux en fait. Si je ne l'ai pas déjà sorti. Sun. Et j'ai le soleil, la faux et les nuages. Et souris. Ah ouais. Alors faites attention si vous devez faire garder un bébé, s'il vous plaît. Faites attention. Parce qu'on est jaloux de vous et faites attention. Voilà, bon, je vais arrêter ici. Donc pour l'amour, je pense que tout le monde aura eu sa réponse. Hein. Donc on va s'arrêter à ça. Je trierai mes cartes après. Oups. Prévu quoi? Ah ben, c'est bon ainsi. Je vais lire. On va prendre les oracles de l'amour. Enfin, les deux, mes deux livres là. Le livre des oracles et l'oracle de l'amour. Comme ça, vous allez poser des questions. Vous allez poser des questions n'importe lesquelles. Et c'est la bibliomancie. Donc, on va ouvrir un livre. Des pages et vous aurez la réponse. Moi je vais pas dire au hasard parce que le hasard n'existe pas et je vous lirai la réponse. Alors, toutes les réponses à vos questions de cœur. Alors, l'art de la bibliomancie qui vous révèle votre futur. Lisez votre avenir et déchiffrez le mystère. Posez votre question, ouvrez une page au hasard, les mots vous répondront. Ok ? Et ici, c'est un peu pareil. C'est... vous révèle votre avenir sentimental. Pour percer les secrets de l'amour et poser votre question, ouvrez une page au hasard, l'oracle vous dévoilera le chemin à suivre. Bon, on va commencer avec l'amour, hein. Ils sont compliqués à trouver, mais je vous assure que ils sont pas chers du tout. D'ailleurs, là, on a barré le prix, mais je crois que c'était 17 euros, je crois. Ah oui, mais moi, j'ai barré le prix aussi. Mais il n'était pas cher. C'est 17 ou 14. C'était vraiment, vraiment pas cher. Je pense qu'il est toujours... Celui-ci, il doit être toujours sur Amazon. Mais quand il n'y est plus, il est cher à mourir. Pour le trouver... Donc, quand vous, si vous, vous devriez peut-être aller faire des petits tours, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voir quand il est dispo, parce que ça vaut vraiment la peine de l'avoir. Alors, vous posez une question par rapport à votre amour. Pas spécialement que ce soit oui ou non. N'importe quelle question. J'y vais. C'est la boule de cristal. La boule de cristal montre un anneau avec... Ah, pardon. La boule de cristal montre un anneau avec des clés. Êtes-vous certain que c'est ce que vous voulez? Êtes-vous certain que c'est ce que vous voulez? Bonne question. Par rapport à l'amour aussi. Moi, je vais tirer comme ça. Hop. L'image dans la boule de cristal. Alors, si vous avez, vous arrêtez la vidéo et vous posez votre question. Et puis, vous la remettez en marche. Parce que l'image dans la boule de cristal est celle d'un serpent. Un ou une ennemie
fait obstacle à votre joie. Ok. Ok. Alors, maintenant, on va poser, vous poser une question. N'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Et on va ouvrir une page. Nous avons la voyance, donc la voyante. La voyante dit oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Et ceci. J'en ai deux, donc je vais les lire tous les deux. Donc, posez vos deux questions, sinon vous arrêtez la vidéo, vous reposez une autre question. Donc, vous avez tiré un 9, on a les dés. Vous avez tiré un 9, oui, vous en serez plus heureux. Ça, c'est la réponse à une question. Et une autre question, différente. Celles sont les cartes. Vous avez tiré le 6 de cœur, allez-y, mais soyez toujours bon envers les autres. Voilà, voilà. On fait un oui, non, j'en ai la force. Avec un petit le Normand, on va prendre le tot. Voilà, on y va les amis. Pendule de tot. Oui ou non, merci pour le... C'est oui. Alors, j'étais dans une vision de... C'était comme si j'étais au-dessus. J'étais au-dessus et c'est comme si je regardais un sol un peu rocailleux, un peu... un endroit où on aurait difficile à marcher, mais bon là je suis peut-être, je suis au-dessus, et c'est comme si on envoyait un drone, et il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Je ne sais pas comment vous l'avez su, en tout cas, il y a bien quelqu'un là-bas, et la preuve c'est qu'il a fait aller son gaz. J'ai une dame qui est attachée. Mon Dieu, tout ce que je vois. Un monsieur torse nu avec des cheveux blancs qui est en train d'attacher une dame qui sortait avec des menottes. Une dame avec des lunettes et des cheveux plus longs. Tous les deux d'un certain âge. La dame est prisonnière vraiment de ce monsieur. Monsieur blanc, assez fort, en torse nu en tout cas. Bon. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que j'en ai dit assez. Et puis, je vous fais des bisous. Je suis dans un sens, j'ai envie de vous dire, je suis. Si vous êtes toujours là, j'ai envie de dire, je suis désolée parce que c'était quelque chose de. Je me dis, tant pis, je continue, je vais vous montrer quelque part ce que c'est. Maintenant, je pourrais toujours décider de ne pas la mettre en ligne. Je vais voir, mais je pense que je vais la mettre en ligne parce que c'est un partage que je fais avec vous. C'est quelque chose d'assez bizarre. Je vous jure que vivre ce genre de choses, c'est pas toujours marrant. Parce qu'il y a des fois où je le gère vraiment bien, mais il y a des fois, hein, c'est pas possible.
mais aussi si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné par ce tirage, je peux vous en donner un peu plus à chacun, celui qui le désire. Est-ce que... Ok, bon, je vais arrêter là parce que je vois encore des trucs, donc je vais pouvoir passer la nuit. Je vais pouvoir passer la nuit. Bon, je ne pense plus que je ferai ce genre de vidéo. C'est beaucoup trop épuisant, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça quand j'ai commencé. Donc je savais que ça allait être dur, mais je ne savais pas que ça allait être dur comme ça. Donc des vidéos comme ça, vous n'en aurez plus, ce sera la seule que je ferai. En tout cas, que je montrerai, c'est sûr. Parce que c'est un peu gênant pour moi aussi de vous montrer, de me montrer dans un état pareil. Voilà, je trouve. Mais j'avais quand même, je me suis dit, bon, vous êtes des habitués et je pense que vous avez le droit de savoir aussi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas du tout quand, mais je ne ferai. Je vais voir, je vais voir. Rien à voir avec les consultations. C'est tout à fait différent. Je ne suis pas comme ça en consultation. Heureusement, je ne suis comme ça que quand j'enregistre. Voilà, gros bisous.